L'autonomisation et la création de la classe moyenne, c'est le cheval de bataille de Solange Masumbuko Nyenyesi, contente de l'initiative de cette foire. La députée nationale a insisté sur le transfert intergénérationnel. Je suis très contente que la plupart ou certains rejoignent mon combat, celui de l'autonomisation. Et l'autonomisation et même la classe moyenne. Et la classe moyenne passe par les PME, les initiatives innovantes. Et on a posé une question ici, que ceux qui ont moins de 17 ans lèvent la main, il n'y a pas eu. Et donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Aucun transfert intergénérationnel. Si nous travaillons sur les jeunes, les plus jeunes de moins de 17 ans, en les formant sur l'entrepreneuriat, en les boostant, je crois que nous aurons des millionnaires comme a voulu le chef de l'État. Aussi sur les femmes, parce que c'est elles qui sont à proximité dans la communauté. Plusieurs défis ont été relevés ici, notamment les défis législatifs. Voilà pourquoi nous nous impliquons en tant que parlementaires pour voir au niveau de la loi qu'est-ce qui ne marche pas. 57 taxes, ça n'encourage pas certains PME. Et donc, nous allons donc former un cadre permanent de suivi des résolutions de ce forum, qui est une forme de matérialisation aussi du réchauffement de nos relations amitié Belgique-RDC.